about to go insane. Ladies, we stepping out to slay. Mia, Mia, Mia. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Oui, je t'écoute. Désolée. À quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée de me mentir en disant que tu allais faire tes devoirs chez Freddy alors que tu allais traîner avec des danseurs dans les rues du quartier? Enfin, Mia! J'ai dit non quand ils ont voulu danser au milieu de la route. Je pensais que tu serais fière de moi. Ils t'ont demandé de danser au milieu des voitures? Non. Si, en quelque sorte. Oh. J'avais pas l'intention de te faire peur. Non, tu voulais que je fasse une crise cardiaque. Je voulais juste gagner un peu d'argent pour t'aider. Et puis, pour reprendre les cours de danse. Mia, je te remercie pour tout ce que tu fais, du fond du cœur. Mais je ne veux pas que tu te mettes dans des situations dangereuses. La danse de rue, c'est terminé. J'étais sûre que tu dirais ça. Pourquoi je me dis que ça serait jamais arrivé si ton père était encore là? Waouh. En revanche, je pensais pas que tu dirais ça. Je suis désolée, Mia. Je suis en territoire inconnu, là. Mais je suis sûre d'une chose. Tu es privée de sortie. Je te veux à la maison ou en cours. Ça s'arrête là. C'est pas vrai. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que je décide de lever ta punition. Hey, Sky, tu peux me laisser une seconde? Tu vois pas que j'ai du travail? T'es encore vivante! Tu vas bien? Ça va, mais je suis privée de sortie. Vous êtes où ce soir? Bah, en centre-ville. C'est là qu'on répète en général. Sérieux, un de ces jours, tu devrais venir. T'oublies que je suis punie jusqu'à la fin de ma vie. Donc, c'est fini la danse. Pour de bon cette fois. Cool. Je le dirai à Madame l'agent secret quand je la verrai. Non, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai envie de redanser avec vous un de ces jours. Et je veux que Claire me voie. Mais c'est pas facile quand on est coincé en plein milieu du match de foot d'une petite fille de 9 ans. 9 ans, 3 quarts, je te rappelle. But! Tu vois? Tout ce que je vois, c'est un moyen pour toi d'être vu sans réellement être vu. Et ce moyen, tu le tiens dans ta main. Ton téléphone, les réseaux sociaux. C'est vrai, j'adore voir ce que les gens postent sur les réseaux, mais poster des choses à propos de moi, de ma vie, c'est pas franchement mon truc. Parce que tout le monde peut voir. Exactement, des personnes comme Claire. Tu sais que plein de danseurs ont été découverts sur Internet? Oui, Claire a dit qu'elle avait découvert Alexis Rubio en ligne. Je vais être honnête. T'es une super danseuse. Mais j'ai l'impression que tu cherches toujours une excuse pour pas danser. J'ai quelque chose à te dire. Ouais, vas-y, balance. J'ai téléchargé Dancicoli hier soir. Mon bébé a grandi tellement vite. Détends-toi, je sais pas si je vais m'en servir. D'ailleurs, je sais même pas comment ça fonctionne. Attends, je connais cette appli par cœur. T'as juste à choisir une chanson, tu poses le téléphone et là... Ensuite, t'appuies sur supprimer, sauvegarder ou poster. Mais je choisis toujours poster parce que j'ai pas le droit de priver mes fans d'autant de classe. Elle a jamais répondu à mon texto. Elle m'en veut. C'est sûr, elle va me tuer. Elle t'a laissé en lu? Ouais, elle t'en veut à mort. Ah. L'honnêteté, c'était peut-être pas la meilleure solution, là. T'as entendu ça? Entendu quoi? Elle a rien dit du tout? Ouais, et c'est bien ça qui m'inquiète.